Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa. J'espère qu'on va se régaler. Et le match est donc lancé. Et ce ballon sur l'aile. C'est joué long, attention, passe interceptée. Antonelli. Pilia. Bonaventura. Ander Herrera, qui cherche une solution. Oh, Ander Herrera. Ça sent la frappe. Rabiot. Oh, le bon timing de la tête. Et il marque. Quelle tête. Mais quelle tête. Oui, il n'a pas eu peur d'y aller. Superbe coup de tête, c'est bon ça. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Le Milan AC qui peut construire. Alors que les premières gouttes commencent à tomber.
Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il a trébuché sur cette intervention. Ortiz, pour trouver la faille dans la défense. Il ne se pose pas de questions. La longue ouverture sur l'aile. Souso, il a de l'espace. Voici un bon centre. C'est dégagé, loin devant. Bilia. Oh oui, faut tirer là. Quelle parade de Fermann. C'est allongé. En retrait pour repartir proprement. C'est bien défendu, il faut dire. Ortiz. Il la remet. Ander Herrera, qui rejoue derrière. Il n'avait pas le choix. L'assistant lève son drapeau. Ah, il est là même. Très jolie passe, en une touche, mais le drapeau s'est levé. C'était là. Le gardien loin devant. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ander Herrera. Qui veut se projeter. Il est à distance de tir. Oh, énorme occasion. Et c'est un but. Et ça fait désormais 2 buts d'avance. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Bonaventura. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Il joue en profondeur. Oh, l'interception. Rabiot. Ander Herrera. Oh, elle va voler quand même. Oh, Ander Herrera. Cristiano Ronaldo. La relance, côté droit. Il écarte, il joue sur l'aile. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Bonaventura. Et il tombe sous la pression. Rabiot. En retrait vers son gardien. Ortiz. Un long ballon vers l'avant. Ander Herrera. C'est pour lui, attention. Bonaventura. Romagnoli. Bonaventura. Et la porte s'est refermée. Bilia qui récupère ce ballon.
Ça revient dans l'axe. Il joue en retrait. Bonaventura qui cherche à construire. Quelle occasion, attention! Oh, quel bel arrêt! Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire! Le coup de tête! Oh, elle était belle cette tête! Mais ça ne suffit pas! Inquiète pas. Oh, mais c'est bon, on va aller voir. Le 4-10. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Kalinic. Bonaventura. Cristiano Ronaldo. Il allonge. L'arbitre a sifflé. Faute. Ça me connaît. Touche la toi, gaz. Cristiano Ronaldo qui est un peu seul. Ander Herrera qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Qui est le premier sur ce ballon? Attention, la frappe! Il décide d'allonger le jeu. Kalinic. Bilia s'est joué long vers le poteau de corner. Il centre, attention! Ah, et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Et ce ballon vers ses attaquants! Centre, de la tête! Oh, c'est un arrêt important, ça! C'est un super arrêt! Fine save! Quelle inspiration! Il relance côté droit. Et c'est intercepté. Ah oui, ça a loupé, tu vas prendre un coup, non? Souzo. Ah, il y a boy. De la liberté. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Ça manque de soutien. Ça manque un peu de solution. C'est un bon mouvement. Ça joue à gauche. Cristiano Ronaldo. Il peut y aller. Ah, pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Il y a peut-être un coup à jouer. Salope. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Borini. En dribble, c'est bien fait. Cristiano Ronaldo qui a offert cette passe décisive. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampons. Cristiano Ronaldo.
Alors, que va-t-il faire? Il combine parfaitement. Le jeu repart vers la droite. Il centre dans la... Et la tête! Nouveau but dans ce match! Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Quel centre, mais quel centre! Et forcément, derrière, c'est plus facile. Voilà, ça c'est une tête. Un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction. Et ça vous donne un but. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Il écarte le jeu. Il reçoit le ballon. Long ballon dans le sens du jeu. S'il le trouve... Ortiz... Kalinic, Garay qui ne résiste pas au contact. À la régulière, il est battu, joli tacle. Ce ballon bien dosé. Le bon tacle. Non, il n'a pas joué le ballon là. Quoi? Carton rouge là-dessus. C'est incroyable, et l'entraîneur n'en croit pas ses yeux. Et le joueur ne comprend pas non plus la décision de l'arbitre. Il y en a qui disent que parfois une faute peut être un mal nécessaire. Mais là, ce n'était franchement pas le cas. Pas le cas. Le long dégagement du gardien. Bonaventura qui choisit le côté gauche. Cristiano Ronaldo. Ander Herrera qui cherche une solution. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Il continue son action. Comment faire pour qu'on ait ça là, c'est papa. Borini. Bonaventura. Pilia, ça joue à gauche. Il est passé. Il progresse encore. Il la tente. Quelle intervention. Il peut récupérer, deuxième chance. Ortiz. Cristiano Ronaldo. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui. Et pendant de longues périodes dans cette rencontre, c'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Ce but en début de match leur a fait beaucoup de bien. Ils ont pu jouer plus libérés après ça. Et ça se reflète forcément dans le score final. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jeu aujourd'hui. Et le coup d'envoi a donc été donné. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren? Certainement Neymar.
Il enchaîne les dribbles et les feintes si vite qu'il faut parfois les repasser au ralenti pour comprendre ce qu'il vient de faire. Oui, c'est un bon choix, surtout s'il a des jambes aujourd'hui. Centre, attention la frappe! Bah, il manquait pas grand chose! Le bon dégagement. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Kurzawa. Neymar. Il y a peut-être un coup à jouer. Il en profite, à gauche. Il glisse le ballon en profondeur. Cavani. Et le cadre se dérobe largement. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Cette rencontre a démarré sur les chapeaux de roue avec beaucoup de frappe. Il faut juste s'appliquer un peu plus. Chadli. En ce début de match, on assiste à un petit round d'observation, mais c'est tout à fait logique. Le bon dribble. Il y a danger. Chadli. Il est bien placé. Difficile de tirer. Et c'est directement récupéré. La passe dans la profondeur. Il frappe. Oh, c'est un arrêt important, ça. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Oh, shit. Di Maria, long ballon dans le sens du jeu. Il a trébuché sur cette intervention. Il joue dans l'espace. Ça sent la frappe. Oh, l'occasion. Oh, heureusement qu'il était là. Son gardien était battu. Oh, voici Cavani. Draxler, il relance côté droit. Il est lancé vers le poteau de corner. Di Maria, disponible. Oh, le petit ballon piqué. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. Terry. Ander Herrera. Ce ballon bien dosé. Le long dégagement du gardien. Quel timing dans l'interception. L'interception au bon moment. Rabiot qui cherche la profondeur. La passe dans la profondeur. Il est à distance de tir. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Oh, Cristiano Ronaldo. L'accélération, ouverture vers le poteau de corner.
Chadli. Il écarte, il joue sur l'aile. Cristiano Ronaldo. Il tire. Voilà l'ouverture du score. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Aïe. Aïe, 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 aïe. Et ça fait donc 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Il s'impose physiquement dans ce duel. Et ce ballon sur l'aile. Meunier, il a de l'espace. La frappe, attention. Encore, il peut frapper. Oh, et c'est au fond. Non. Boy. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. Il avait bien suivi. Baguette défenseur, pas 4 caca, je viens. Ça fait même pas du courage. C'est difficile à capter. Bien joué. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Ah, ça c'est un grand classique, ils sont encore en train de fêter le but. Hein. Cristiano Ronaldo, il peut récupérer... Alphonse Areola. Oh, le gardien, et c'est au fond. C'est vrai que ce genre de bourre peut arriver même au meilleur. Le truc maintenant, c'est qu'il faut absolument et très rapidement se reconcentrer. But d'avance. En retrait pour repartir proprement. Thiago Silva, il décide d'allonger le jeu. Draxler, un ballon intéressant. On joue sur l'aile, il est servi. Il passe en retrait. Il est marqué de près. Le Paris Saint-Germain qui essaye de construire. Cristiano Ronaldo qui a un peu d'espace. Il écarte le jeu. Ça revient dans l'axe. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Comment tirer le tir là? Ortiz, oui, petite faute là. Vague chance, monsieur. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Oh, Cristiano Ronaldo. Il glisse le ballon en profondeur. Aïe. Il a récupéré. Le gardien loin devant. Oh, voici Cavani. Kieran Gibbs. Il allonge, pourquoi pas. Allonge là. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. 2-1 au tableau d'affichage, un seul petit but les sépare. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Il rejoue derrière lui. Et le bon dégagement. Oh! Neymar. Cavani. Marco Verratti. Meunier. C'est joué long, c'est dangereux. Et il tombe sous la pression. Il tente de la jouer dans l'espace. Pour trouver la faille dans la défense. Il est servi. Une très longue passe. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Rabiot. Il était bien présent. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. C'est bien donné. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il reçoit le ballon. Et ce ballon vers ses attaquants. Un peu d'oxygène pour sa défense. Verratti. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Oui. Ortiz. Il
ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous. Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Oh, Cristiano Ronaldo, ça joue à gauche. Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué long, attention. Il peut y aller. Oui, là il y avait clairement faute. Attends, wesh. Oui, il s'en sort bien, l'arbitre ne sortira pas de carton ce coup-là. Il s'en sort bien là. Il s'en sort bien. Aïe! Marco Verratti. La bonne passe. Oh, voici Cavani. La passe allongée. Allez, ça peut faire mal. Pas de hors-jeu, il y va. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Non, c'est bien vrai. Cavani! Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Rabiot est trahi par ses pieds. Oh, la vilaine passe. En même temps, superbe interception. Merde. Look at this. Hey, bonne intervention. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Rabiot avec Vlado. Oh, voici Cavani. Il file dans l'axe. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Kieran Gibbs. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Le long dégagement du gardien. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Voilà un marquage très agressif. C'est pas étonnant, tout ce qu'il a déjà fait. Pour toi. Oh, le coup de tête! Bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt, fine save. Rabiot qui joue long. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Ils filent dans l'axe. La faute. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Cavani qui choisit. Ce sera un coup franc, bien sûr. Shit the fuck up, maman, habite là. Merde. Bien servi. Oh, la frappe! Ils étaient tout près de revenir au score. Et l'équipe peut le remercier si elle mène encore. C'est bien grâce à lui. Il glisse le ballon en profondeur. Ça passe dans l'axe. C'est bien fait, ça. Cristiano Ronaldo en retrait. Là, ils cherchent à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Chadli, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Marco Verratti, s'il le trouve. Oh, fuck that shit, man. C'est dégagé. Le Paris Saint-Germain risque d'avoir des regrets, là. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Ça joue à gauche. Ça manque un peu de solution. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ander Herrera. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini.
Oh, ça a été vraiment disputé jusqu'au bout et à l'arrivée, cette victoire par un petit but d'écart, que c'est beau. Que retenez-vous de cette rencontre? Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est ça de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, faut-il avoir les joueurs pour le faire? Encore il faut-il avoir les joueurs pour voilà, le faire. Faut-il avoir les joueurs pour le faire. Vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut. Cristiano Ronaldo va jouer là. Cristiano Ronaldo out.
Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Moi, je vais suivre Romelu Lukaku. Rapide, puissant, il a tous les atouts d'un très grand attaquant. Et puis, quelle frappe ! C'est vrai que je le verrai bien marqué dans ce match. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. C'est vraiment... Il tire ! La parade, magnifique ! Dans la surface. Ce sera un centre. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il glisse le ballon en profondeur. Valencia, qui a de la liberté. Lingard. Il a de l'espace. Valencia. Il décide d'allonger le jeu. Kieran Gibbs. Ça manque un peu de solution. Il a du champ sur le côté. En ce début de match, on assiste à un petit round d'observation, mais c'est tout à fait logique. Mais non, ça va observation, ça va observation. Valencia. Fais observation là. C'est récupéré facilement. Il écarte le jeu sur l'aile. Fuck that shit. Il y a peut-être un coup à jouer. Un centre dans la surface. Oh non, boy, come on. Plein de joueurs disponibles dans la surface. Jolie passe lobée. Oh, quel geste. Le soutien derrière lui. Centre. Une très longue passe. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Un ballon intéressant. Il est passé. Martial. Il avait fait le plus dur pourtant. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Une occasion, attention, la frappe. L'ouverture du score. Une faute de concentration et c'est la punition. Eh oui, une seconde d'inattention peut parfois coûter très très cher. Et ça fait donc 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Matic, ce ballon bien dosé. Il est tout seul. Le bon dribble. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, là. Corner à suivre. Il met la tête. Oh, la tête. Pas de réussite. Oh là 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 là. C'est pas possible. Le plus dur a été fait. Il s'était mis en position de tir et il manque son dernier geste. C'est incroyable. Un long ballon vers l'avant. C'est pas mal la manière dont ils défendent. L'entraîneur semble vouloir éviter d'encaisser un deuxième but avant la pause. Ouverture vers le poteau de corner. Ander Herrera qui a rempilé une nouvelle fois au club. Petite précision au cas où l'info vous aurait échappé. Il est lancé vers le poteau de corner. Allez, ça peut faire mal. Oh, l'occasion. Oh, c'est un arrêt important, ça. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. De la tête. Oh, c'est dedans. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes.
Très bon corner, et évidemment il en a profité. Voilà, ça c'est une tête, un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction, et ça vous donne un but. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. La passe dans la profondeur. Martial. Il est sorti du jeu. Oh, voici Lukaku. Il met le pied, ballon récupéré. Chadli. Il écarte le jeu. On joue sur l'aile, il est servi. Il est passé. Il rejoue derrière lui. Oh, attention. Chadli. Oh, la main ferme. C'est joué long, attention. Rien à dire, c'était propre. Ashley Young, qui a un peu d'espace. Lingard. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Tant qu'on le garde droit au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. La seconde période, c'est parti. Finalement, ils n'ont que deux buts de retard. S'ils arrivent à marquer rapidement, ça pourrait tout changer. Vous allez voir. Chadli. Ça peut être dangereux. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Ça, c'était une vraie occasion manquée. Il a fait tout comme il faut, jusqu'au tir, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, là? Clairement, ils sont revenus des vestiaires avec l'envie d'attaquer. Ça promet du spectacle pour cette deuxième période. Tire, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, là? Oh, Juan Mata. Récupération sans se livrer, c'est bien joué. Rabiot. Il choisit là-bas, sur l'aile. Il vient monter. Il a mal dosé son geste, dommage. Il était bien présent. Juan Mata. Oh, voici Pogba. Il écarte, c'est bien fait. Il reçoit le ballon. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il la repousse. Ah, et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Il écarte le jeu. Juan Mata, qui a offert cette passe décisive. Ça sprint côté gauche. La passe est précise. Garay. Il y a peut-être un coup à jouer. Il cherche à le servir. Allez, de la tête. Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. Perdit mon cher. Jouer de sa part. Matic. Et il tombe sous la pression. Voilà un marquage très agressif. C'est un joueur très dangereux. Il ne peut vraiment pas se permettre de lui laisser de l'espace. Rabiot. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Faute, oui, faute. Et coup franc à venir. C'est une vraie occasion. Il peut décider de tenter sa chance. Il faut cadrer, là. On sait qu'il est fort dans cet exercice. Chadli. Magnifique parade, le danger est écarté. Il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière il fait l'arrêt qu'il faut. Le bon dribble.
c'est bien fait. Oh, voici Lukaku. Oh, voici Matic. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, quel geste inutile, il s'est complètement jeté. Oh, penalty, et je crois que l'arbitre a pris la bonne décision. Oh, le sang-froid, il aggrave la marque sur ce penalty. Et à aucun moment, il ne donne l'impression d'avoir douté. Beaucoup d'application, beaucoup de confiance en ce geste. Il est parfaitement tiré. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Ça doit faire but. Il peut en profiter pour frapper là. Oh oui, but. Le but. Il a bien analysé la situation avant de très vite faire la différence. La défense n'a jamais pu le rattraper. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? Chadli, qui est récompensé de son pressing. Long ballon dans le sens du jeu. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Ouverture vers le poteau de corner. Merci, Bailly, là, la c'est diagonale. Voilà. Et ça ne passera pas. Phil Jones qui cherche la profondeur. Matic qui a de l'espace. Il allonge. Martial qui est le premier sur ce ballon. La passe interceptée. Rabiot. Il joue dans l'espace. Le bon ballon. Chadli. Quel timing dans l'interception. Smalling qui cherche la faille. Lingard. Matic. Touche donc. Et l'entraîneur qui fait rentrer du 109. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Et voilà une nouvelle touche pour eux. Il est passé. C'est joué long, attention. C'est joué long. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Juan Mata, Terry qui a mis son pied en... Un coup de sifflet, ce sera une faute. Le bon dégagement. Long ballon dans le sens du jeu. Valencia. Oh, Juan Mata. Oh, voici Lukaku. Il joue dans l'espace et il prend sa chance. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça, c'était une occasion en or. Terry qui cherche la profondeur. Et ce ballon sur l'aile, bonne interception, il y avait danger. Pogba. Il concède un coup franc. Et geste mal maîtrisé, logique cette sanction, carton jaune. C'est bien donné. C'est dégagé, loin devant. Lingard. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. La frappe repoussée par le mur. Dans l'espace. C'est dégagé. Pogba qui compte donc un but dans ce match. Et il choisit de jouer en retrait. Il n'avait pas le choix. Et l'arbitre siffle la fin du match. Que c'est dur à avaler. Elle est terrible cette défaite pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour les supporters. Ils auront tout donné pourtant. Alors votre analyse sur cette rencontre? Écoutez, dans chaque défaite, il y a des leçons à tirer. Vous savez, les joueurs, ils aiment bien dire qu'il faut continuer à travailler. Alors, au boulot, les amis. C'est déjà fini, on s'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène, comme d'habitude. A bientôt, bonsoir.